Bonjour à tous, euh, avec Arnaud, donc euh, à deux voix, on va essayer de vous présenter un aperçu des résultats de la campagne de recherche sous le Mont-Beuvray, euh, campagne qui a été euh, cette année encore très très dense. Euh, au centre archéologique, on a accueilli quasi 150 entre étudiants, étudiants-chercheurs, chercheurs, chercheurs euh, un peu de, de toute Europe, comme tradition à Bibracte. Qui ont travaillé entre avril et septembre sur neuf chantiers, neuf opérations de terrain. Opérations de terrain qui ont concerné les principaux axes de la recherche sous l'Opidum de Bibracte, donc l'étude de ces fortifications, leur évolution, leur chronologie, mais aussi l'étude de ces aménagements intramuros, l'habitat privé, public, les aménagements autres. Euh, et euh, les abords de l'Opidum avec euh, deux interventions extra euh, dans les versants du Beuvray et aux sources des Lyons qui on va présenter en, en, fin, de, en fin de présentation donc euh, on essaie de tenir dans les 20 minutes euh, vous imaginez hein, les résultats sont très 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 nombreux euh, donc c'est forcément une sorte de synthèse qu'on va vous présenter un euh, nom de tous les collègues qui ont participé à la campagne et on commence l'exploration par euh, l'étude des fortifications de l'Opidum. Euh, dans cette zone qu'on appelle les Grandes Portes, qui constitue euh, une des accès principaux à Bibracte depuis euh, le sud, euh, et qui au, de, au cours des dernières euh, années a été investie par euh, trois opérations complémentaires la première qui a consisté en l'ouverture d'une tranchée dans le sud dans une partie de la courtine méridionale en travers les remparts une deuxième qui a consisté dans l'analyse du bastion du bastion sud de l'accès proprement dit de Grand porte et une troisième opération qui concerne elle l'étude de la voirie à l'intérieur de l'accès on commence donc par cette tranchée qui est ouverte depuis 2019. Voilà, pour rappel, euh, dans ces secteurs, euh, le rempart interne de l'opidum, donc le deuxième rempart de l'opidum, euh, qui est construit selon la technique du muros gallicus, est euh, conservé sur, tout son, sur toute son hauteur, donc environ 3 mètres, euh, sur une dizaine de mètres de large. Euh, et l'année dernière, euh, comme vous voyez à l'image, la fouille avait permis... Euh, de euh, reconnaître sous euh, la base euh, du rempart interne euh, les restes très arasés du rempart euh, externe, c'est-à-dire de la première fortification de l'oppidum qui on date euh, à la toute fin du IIe siècle avant notre ère. Cette année, l'attention a été portée en particulier sur euh, le, la fouille de l'avant du rempart, donc du glacis avant euh, de la fortification. C'est qui a permis de reconnaître un fossé en V que vous voyez au premier plan dans l'image et un peu mieux dans le profil ici. Donc un profil en V qui dévançait sûrement le premier rempart, donc le plus ancien de l'Oppidum, et qui semblerait, les études sont en cours pour la rédaction du rapport de fin d'année, mais qui semblerait avoir été comblé lors de la construction du rempart interne, du rempart successif. C'est assez intéressant parce qu'il s'agit en réalité du premier témoin de ce type d'aménagement, euh, type fossé, euh, les langues de, de la première enceinte de l'oppidum. On a déjà fouillé à Bibracte des fossés à l'avant de la porte du Reboum mais qui concernent plutôt le rempart interne et qui concernent surtout une, une zone assez particulière du rempart, hein, l'accès principal. Là, c'est un premier euh, témoin de l'existence d'un fossé qui devait contourner, euh, au moins en partie, la courtine euh, du rempart de, de Bibracte. Alors, si on passe à un niveau de l'accès proprement dit, des grandes portes, euh, en 2023, euh, la fouille a permis d'apprendre la géométrie euh, et l'architecture du bastion. On est toujours sur une architecture de type Morse Gallicus. Euh, et notamment, euh, on, a, on a pu mettre au jour de manière plus complète euh, le parement du couloir et le parement avant euh, du bastion euh, et, euh, et les couloirs, le couloir de la porte. De manière assez inattendue, euh, il est paru que ces euh, bastions connaissent au moins deux phases, peut-être trois, de constructions successives. Comme vous voyez à l'image, euh, dans un premier temps, le couloir de la porte était en effet plus étroit. Euh, et cet angle en bleu euh, du bastion a été en certains moments remanié. Le parement et l'angle ont été reculés d'environ deux mètres. Et euh, les restes de ces premières phases, de ces premiers états euh, du bastion ont été... Euh, Arasés ont été recouverts par une nouvelle euh, surface, une nouvelle voie en fait, qui traversait un couloir euh, en ce moment élargi. Du point de vue de la chronologie, c'est encore trop tôt en fait pour donner des de repères. Les études sont en cours et en général, le mobilier, comme souvent dans les fortifications, est assez euh, rare. Voilà en vision en, en orthophoto où on reconnaît euh, la géométrie et cette évolution euh, que je viens de vous montrer. Euh, à noter qu'en amont de la façade du bastion, dans le cœur en fait du bastion, l'année dernière avait été euh, détectée une petite zone funéraire, voilà à l'image. Euh, L'exploration de cette zone qui a continué cette année euh, et en fait, c'est déroulé à travers un échantillonnage systématique des sédiments. On a tout échantillonné, tout traité. Euh, ce qui montre que finalement, euh, dans ces sédiments, on a une grande richesse de macro-restes de graines, des esquilles osseuses, mais on n'a pas d'autres urnes. En fait, la seule vraie urne qu'on a trouvée, c'est celle que vous voyez l'image qu'on a trouvée l'année dernière, qui pourrait plutôt faire penser pour cette zone, non pas en vraie zone de nécropole, mais plutôt en zone périphérique, en zone de régie une strinome, régie de, 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 de foyers, mais qui est sûrement à proximité à voir à quelle distance mais à proximité d'une zone de nécropole mais qui euh, n'est pas exactement à, à cet emplacement donc on est vraiment dans une zone périphérique d'une zone, euh, zone de nécropole donc on passe à, à la tranchée qui est ouverte à l'intérieur de l'accès pour essayer de détecter le système des voiries et son évolution en fonction euh, et en connexion avec l'évolution de, des fortifications euh, l'existence notamment euh, d'une voie qui on devine un peu dans le relevé lidar, voilà, qui devait mener euh, des grands portes jusqu'au sommet de l'Opidon, en passant par la zone dite de la terrasse et euh, de la chaume. Euh, la tranchée euh, a effectivement permis de reconnaître euh, des traces très arasées euh, de ces chaussées, qui étaient bordées euh, par euh, deux fossés, pas très, très, très bien euh, conservés et qui contenaient très, très peu de mobilier. Euh, par la suite, tout cet aménagement de voirie est recouvert par un remblai qui, qui plani le secteur, c'est qui, qui, en fait, qui donne la morphologie actuelle euh, du secteur, qui se présente comme une sorte de grande explanade qui surplombe un peu la zone de la porte, euh, et euh, qui ne présente pas ces deuxièmes états euh, de terrasse, on va dire qui ne présente pas euh, des claires traces de, de voiries ou d'occupation. Ce qui euh, doit être expliqué forcément en relation à l'évolution des, des fortifications de la porte. On vient de voir les deux états de la porte, le passage entre le rempart extérieur et le rempart intérieur du bibracte. Euh, tout ça a forcément relation avec euh, cette, ces aménagements euh, intramuros à proximité de la porte. Mais euh, cette rédaction euh, sera mieux explorée avec les prochaines campagnes, en fait, avec l'ouverture de, de nouvelles tranchées qui permettront de bien, euh, mieux spécifier cette, euh, cette séquence stratigraphique. Donc cette voie, en tout cas, elle existe du moins dans un État. Et euh, comme le relevé Lidar le montre, euh, cette voie a mené euh, bah, jusqu'au sommet de la chaume où euh, depuis 2017 euh, des fouilles euh, sont en cours et notamment des fouilles qui ont comme objectif d'étudier euh, étudier cette grand fossé que vous voyez à l'écran en bleu qui avait été détecté par prospection euh, géophysique. Euh, le fossé avait été euh, fouillé dans son intégralité euh, l'année dernière vous voyez en une des coupes qui ont été réalisées dans, dans cette fossé pour rappel c'est une grande structure qui euh, date de l'époque de des deux baies donc on est entre le milieu du siècle et le début de l'époque augustaine moment dans lequel euh, ces grands fossés qui entouraient un petit peu toute la crête sommitale du Bevray a été euh, comblé cette année euh, voilà, euh, l'attention a été portée essentiellement sous l'analyse de quelques structures qui, euh, qui bordaient ce fossé. Euh, il s'agit des plusieurs fossés plus petits qui sont en partie parallèles, mais aussi perpendiculaires aux grands fossés, et euh, dont la fonction reste assez incertaine. Un petit fossé parallèle euh, au, en bleu dans l'image a fonctionné sûrement en même temps que les grands fossés. Alors qu'il y a une autre structure similaire qui est perpendiculaire euh, et en revanche attribué à une phase qui est postérieure au complément du fossé, euh, et pourrait être rattachée à euh, une voie, une voie qui, après les compléments du fossé, est mise en place euh, dès l'époque augustaine, une voie qui a mené du cœur de l'opidum, que va voir par la suite avec Arnaud, euh, jusqu'au sommet où, pour rappel, on a un sanctuaire euh, gallo-romain qui se situe sous la chapelle Saint-Martin actuelle. Donc on sait que le fossé une fois qu'il a été comblé est euh, traversé par un système de voiries qui dure au moins jusqu'au 1er siècle de notre ère et qui amène euh, à ces sanctuaires. Donc je laisse la parole à Arnaud pour euh, les fouilles qui ont eu lieu plutôt entre Amouros et dans les zones d'habitat. Oui donc il y a eu deux importantes euh, opérations qui ont eu aussi lieu euh, dans un secteur qu'on appelle le parc aux chevaux qui est quartier au cœur de l'oppidum, euh, avec une vue ici aérienne. Euh, la première dans le secteur qu'on appelle PC14, et la deuxième euh, au niveau de la domousse PC2, qui est située une centaine de mètres au sud-est de, de PC14. Pour rappel, l'exploration de la frange sud-ouest de la terrasse PC14 s'inscrit dans la continuité des recherches qui, Durant, des, dans les, durant les années 2010, avait permis la mise au jour du complexe monumental public de, de, de PC15, qui est au centre de, de la diapositive. L'objectif est l'étude de l'évolution de l'habitat qui s'organise autour du centre public. La fenêtre de fouille d'environ de, 900 m2 qui a été ouverte depuis 2021 cible l'emplacement d'une petite demousse maçonnée totalement inconnue jusque-là qui avait été repérée par prospection radar en 2016. Cette maison s'installe sur les restes d'un habitat à ossature en bois que l'on peut dater du troisième quart du premier siècle avant notre ère. Le percelaire s'organise autour d'un axe euh, nord-ouest-sud-est. Marquée par une venelle entourée probablement de palissades. Le long de cet axe, on observe des niveaux de sol, des structures en creux type cellier et deux puits. Au nord, l'achèvement de la fouille d'une cave à ossature en bois a permis d'observer qu'il y a en fait deux phases pour cette structure. Une première cave sur poteau et sablière, de forme carrée, que vous voyez en bas, qui est accessible depuis l'ouest. Et qui a été en, euh, par la suite condamné. L'escalier a été condamné par la suite. Et euh, la cave est élargie vers le nord et une nouvelle cave d'escalier est aménagée à l'est. À partir de l'époque augustéenne, le secteur est complètement réaménagé avec la construction de la maison maçonnée. Cette année, deux phases de construction ont pu être observées. Avec, dans un premier temps, euh, la maison qui est constituée d'une enfilade de trois pièces. Devancé par une cour, élongé par une voie aménagée, comme souvent un bibracte par un pavage de pierre et son d'amphore. Dans un second temps, le plan de l'édifice se complexifie avec de nouvelles pièces qui sont construites dans la partie nord de la cour ainsi que de nouveaux locaux au sud-ouest. Même si l'analyse des données de fouilles est en cours, il semble probable que ces agrandissements emploient une technique de construction différente du corps maçonné de la maison. Et notamment euh, des structures de, euh, avec ossature en bois sur des solins maçonnés. La fouille de la, la domus PC2, qui est donc toute proche, qui est fouillée par les adolescents du chantier école de Bibract a révélé une séquence comparable, avec de, de nouveaux locaux qui sont situés dans l'aile est de la domousse et de son péristyle, qui ont été fouillés cette année. Et qui ont révélé une séquence d'effondrement des sols souvent très dégradés et leur préparation, que l'on voit par exemple dans, dans le local U. Pour rappel, la construction de la Domus date de l'époque augustéenne et son occupation se prolonge jusqu'au changement d'air. On a pu fouiller également des traces de niveau de sol et d'occupation qui ont précédé l'installation de la Domus, avec notamment dans le local X qui est situé à l'angle sud-est de la demeure où la fouille des niveaux plus anciens s'est poursuivie par la documentation du système de fondation sur poteaux et poteaux sablières d'un bâtiment qui, devait appartenir, enfin, qui devrait appartenir aux phases d'occupation précoce du secteur qu'on date de l'Athènes D2A-D2B. On note euh, notamment la découverte au sein d'une fosse du premier état d'un nez qui devait appartenir à un gobelet en parois fine, sûrement de provenance italique. À la même face de ce bâtiment devait appartenir la cave à ossature bois, qui est située voilà, en pièce Z. Pardon. Euh, qui est explorée depuis deux ans euh, et dont la fouille est rendue complexe du fait que tant les maçonneries de la Domus que les niveaux d'occupation postérieure sont euh, affaissés de façon abrupte vers l'intérieur. Cette année, la fouille a permis d'identifier de manière nette le creusement initial de la cave, de reconnaître le sol d'origine installé sur son plancher et euh, commencer à atteindre les niveaux charbonneux qui devraient correspondre à son, son assature en bois brûlé. Un autre chantier qui a été réactivé ce mois d'août est celui de la pâture du couvent, euh, au niveau du complexe monumental qui abrite l'édifice à plan basilical d'époque césarienne et ses états successifs, et notamment en correspondance de la cour orientale du complexe dit du forum. Cette année, la fouille s'est contentée de l'ouverture d'un sondage d'ampleur limitée à l'extrémité du péristyle de la cour. Dans le but d'évaluer l'état de conservation de la, stratigraphie, de la stratigraphie en vue de la planification des campagnes à venir. Le sondage confirme, comme attendu, le gros potentiel du secteur avec au moins trois phases maçonnées qui se succèdent et qui peuvent d'ores et déjà être mises en relation avec le reste de l'îlot monumental. Cela est confirmé aussi par la découverte de plusieurs éléments d'architecture comme des quartiers de colonnes dans les niveaux d'effondrement superficiels. Une autre opération qui a été relancée cette année après une interruption de quelques années et, euh, se trouve au niveau du Champlain, au nord de l'Opidum, et qui a, euh, comme qui a comme objectif d'étudier l'aménagement du versant qui se place à l'arrière des ateliers artisanaux qui, dans ce secteur, longent la voie provenant de la porte du Rebou. Comme on peut le voir sur le, le relevé leader, tout ce versant est en effet aménagé par des terrasses, souvent devant ces deux palissades, mais en général tronquée par l'érosion qui abrite quelques traces d'occupation très arasées par les labours modernes et les effets de collisionnement dans la pente. Plus on s'éloigne de la voie, plus les traces d'habitat se font ténues, <coughs> limitées à des fosses détritiques qui montrent tout de même la présence d'activités artisanales à proximité. La fouille de la partie amont du versant en 2023 montre que le même type d'aménagement devait s'étendre jusqu'au sommet, avec quelques lambeaux de sol conservés et quelques fosses. On notera. Pour la campagne de cette année, la découverte d'un bon nombre de monnaies, dont ici une, une émission de Jules César. Et je vais rapidement conclure avec les deux opérations extra qu'on a eues aussi, dont la première euh, s'est localise dans le versant méridional du mont Beuvray, dans un secteur qu'on appelle la place Solède. Euh, donc il s'agit de la dernière opération euh, d'une opéra opération pluriannuelle qui s'achève en 2023. Euh, qui a consisté à la réalisation euh, des trois derniers sondages qui complètent euh, le cadre de la structuration de l'occupation sur les temps longs de ces versants. Euh, donc l'étude de l'occupation euh, agricole et forestière dans l'époque antique, médiévale et moderne euh, de, ces, de, ces, de, ces, de ces versants avec quelques photos des, des sondages euh, on voit quelques traces d'aménagement de sol euh, des cobouages, euh, d'installation de haies euh, et ces genres de, 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 de traces en fait qui montrent qu'effectivement l'occupation du Mont-Beuvray n'est pas limitée à l'époque de l'Opidum mais hein, en continuité euh, de, sur toute l'époque historique et euh, pour finir euh, une deuxième intervention extra qui a également euh, eu lieu aux sources des Lyon euh, en correspondance au sanctuaire gallo romain qui avait été déjà sondé entre 2016 et 2018. Euh, les nouvelles chantiers euh, qui est programmés seront biennales, donc 2023 et 2024, visent à compléter les constats euh, faits auparavant sur les temples 1, le plus septentrional, et c'est lui qui avait montré euh, la complexité stratigraphique plus intéressante, du fait notamment de la superposition des trois édifices, dont celui de l'époque impériale, que vous avez à l'écran, euh, n'est que est le dernier, état. Euh, qui s'installe euh, sur les restes d'un édifice intérieur, euh, en rouge à l'écran, qui est construit sur des solins hein, en pierre sèche, euh, donc avec une osature en élévation de bois. Euh, et cet édifice dont euh, la fonction cultuelle, cultuelle pardon, euh, peut être supposée hein, du fait de la continuité de l'occupation, mais... Ne peut pas encore être certifié, date euh, de la deuxième moitié du premier siècle avant notre ère et est donc euh, contemporaine de l'agglomération euh, qui, à cette époque, occupe tout le secteur des sources des Lyonnes et qui, en gros, consiste. En gros, euh, c'est une sorte de faubourg euh, extérieur, faubourg décentré euh, des Bibractes, euh, qui euh, occupe plusieurs dizaines d'hectares et hein, qui est connu pour l'instant essentiellement qu'est par euh, prospection. Euh, ces bâtiments donc a forcément un lien avec cette agglomération, euh, lien qui reste encore bien à définir et interpréter. Et il s'installe à son tour sur un édifice plus ancien en bleu euh, dans l'image qui en date pour l'instant du début du 1er siècle avant notre ère et dont l'exploration s'achèvera euh, au cours de, de l'année prochaine. Mais euh, c'est qu'ils montre déjà comme euh, le secteur du sanctuaire euh, gallo-romain des sources des Lyon a occupé euh, sur les temps longs et avait sans doute un quelque type de lien avec euh, l'agglomération, il se place vraiment au cœur en fait, de, de cette agglomération. Voilà une image de la fouille pour conclure. Et on euh, vous remercie et on vous invite, comme toujours, à profiter des dernières euh, périodes de l'année pour visiter Bibracte, les musées, et pour faire des visites guidées avec euh, notre équipe des guides redoutables qui sont ici sous la salle. Donc, vous êtes toujours le bienvenu sur le Mont Beuvray. Merci. Merci à l'équipe de Bibract euh, de, cette, euh, de cette présentation annuelle toujours euh, fort dynamique. Euh, J'imagine qu'elle euh, invite à des questions dans la salle. Le café vous a réveillé. De... Euh, C'était pour les sources d'oignons. Du coup, l'occupation s'arrête à l'époque augustaine ou il y a une phase plus tardive au 2e, siècle, par exemple Non, en fait, le, alors, c'est vrai qu'on on est passé un peu rapidement, mais effectivement, les trois États, ici à l'écran, il y a les deux États euh, en bleu et en rouge, qui est pour l'instant, on date au 1 er siècle avant notre ère. La phase d'abandon de, euh, du deuxième état, c'est plus, plus difficile pour l'instant, mais devrait tomber quelque part autour de l'époque augustaine. Alors que euh, la phase qui n'est pas en couleur, mais c'est le pierre à pierre de, de l'orthophoto, c'est vraiment le sanctuaire gallo-romain, qui en date du 1 siècle après jusqu'au peut 2e siècle après. Euh, je crois que pour, pour, pour l'instant, les datations, c'est ça.